Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, bienvenue aujourd'hui dans ce 5e épisode commenté de notre Let's Play sur Luigi's Mansion 2 HD. Content de vous retrouver les amis pour le dernier épisode que j'enregistre d'avance puisque je suis toujours en Suisse à la Japan Nush à Neuchâtel. N'hésitez pas si jamais vous voyez cette vidéo et que vous êtes dans le coin à passer, je suis encore là toute la journée. Vraiment, n'hésitez pas amis suisses à venir, ça fait plaisir, j'ai rarement l'occasion de vous rencontrer, donc venez, ça va être très cool. On va donc continuer notre aventure les amis dans le Pendularium, le troisième des cinq, a priori du coup, manoir de ce jeu, avec la deuxième expédition, l'expédition souterraine. Bonne nouvelle Luigi, la boussole que nous avions récupérée lors du dernier épisode, du coup, l'acido a révélé un autre passage vers les niveaux souterrains. Très bien. Je l'ai indiqué sur la carte de la déesse, jette donc un œil. Je suis vraiment en découverte en fait, je me rends compte que comme je l'avais fait en stream à l'époque, en fait je l'ai pas vraiment apprécié à sa juste valeur. Le passage habituel est bloqué, il existe une trappe dans la cour du Pendularium. Très bien. En tout cas je suis plus concentré, j'apprécie plus les choses, graphiquement c'est tellement plus propre, c'est un plaisir, vraiment c'est un grand plaisir. Devine quel objet permet de déverrouiller cette trappe? Exactement, la boussole d'acido comme son nom ne l'indique pas. Oui c'est vrai que bon, ça l'indique pas vraiment, mais bon, on est parti. Bref, nous devons... aussi penser à ce qu'il nous manque pour ouvrir l'accès au beffroi. Qu'est-ce qui manque? Ah, le cadran, oui, du mécanisme est intact, mais il manque les aiguilles. Malheureusement, nous allons devoir les chercher dans une botte de foin. Les fantômes les auront sans doute cachés aussi profondément que possible. C'est vrai que c'est notre objectif. Bonne chance, mon garçon. Essaye de pas te perdre là-dessous. Très bien. Bon, en tout cas, faut pas hésiter à laisser un maximum de pouces bleus, les amis. Vous le savez, c'est un petit peu le nerf de la guerre sur le Let's Play. Vraiment, c'est super important. Donc, merci à celles et ceux qui prennent la peine à chaque fois de liker les vidéos. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Toujours extrêmement plaisir. Alors, on est parti. On est chaud. D'entrée de jeu, on est chaud. Donc, trouver l'accès au souterrain. On va y aller. Donc, ça se trouverait ici. Ah oui, effectivement. J'aime bien, ça fait un peu ambiance. La musique, là, ça fait un peu Gerudo dans Zelda. J'aime bien. Côté désert, canyon et tout. Et on est parti! La petite trappe, on est dans Lost! Ça me fume! C'est vrai que wow, j'ai quasi aucun souvenir du jeu en fait, c'est terrible! Hein. Ok, nous y voilà! Alors, objectif comme d'habitude, bien fouiller, tout faire proprement, cave des tempêtes. Ok. Ok, on récupère directement. Chercher les aiguilles, bon, c'est notre, évidemment, objectif premier. On va... Alors, on avait déjà réussi, hein, mais... On avait déjà commencé le combat. Ok, ici, ensuite on voit... Ah, c'est tout. Pourtant, vous voyez que ça bougeait ici. J'aurais cru. Alors... Qu'est-ce qu'il va falloir... Ah, ok. Il doit y avoir du coup un truc genre cette lumière peut-être, soit le caillou, soit la lumière. J'ai le caillou. Ouais, c'est le caillou. Ok. On va le déposer. Oh, l'ambiance! Elle est très cool, l'ambiance. L'ambiance est vraiment très stylée. Ça fait un peu donjon, là, pour le coup. On est dans un Zelda, en fait. Ok, couloir du désert. Qu'avons-nous là-dedans? À part une bombe! C'est malade. Ils font flipper de ouf. Ok, ici. Allons-y. On récupère. Je prends même si c'est des petits trucs. On récupère quand même. On a les... Ah! Quand même, attendez. Oh, mais ça m'a l'air bien grand cette histoire. Alors, c'est très. C'est très linéaire en plus, j'aime bien. Là, ici, on a un truc. Évidemment. Ok, on y va. J'adore. Mais vraiment, les mécaniques de celui-ci sont vraiment très, très, très cool. Même peut-être. Je me demande vraiment, même si c'est pas légèrement... Voilà, on sait qu'il y a rien, hein. On le tente quand même parce que voilà, mais... Oh! Ah, c'est une énigme! Oh, trop bien! Je me demande même si c'est pas... Il faudrait qu'on le refasse, mais j'allais dire supérieur au 3 même en termes de mécanique. Ok. Faut tous les choper très rapidement. Ok, alors là. Comme ça, ça me donne des trucs. Vite. Allez. Vite. Ok. Et là, si on vient là.
On récupère. On récupère tout, c'est important. Et là, on y va. On ouvre. Vite de ce côté. Ah, j'ai pas tout eu. Ok, on récupère vite. Oh non, j'ai pas... Attends. Voilà. Ok, c'est bon. Ouais, ça fait quand même... vous avez vu? Direct cette énigme, bam, ça nous met à 300. On a clairement bien fait de venir. On y va. Là, du coup, ça repart dans l'autre sens. Et on revient ici, en sachant que, de toute façon, je pouvais pas... Je crois que je peux détruire le passage si je veux, mais... Faire le raccourci. Hein, je peux pas. Ouais, mais je pense que j'ai honnêtement rien loupé. Quoi? Et là. J'allais vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends, parce que là, on voit clairement. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, j'étais sur ma carte. Ok. Attendez, on va récupérer. Vite! Il est où? Ok, on l'a. Alors attendez. Parce qu'on voit clairement qu'il y a des choses un peu planquées partout. On va essayer quand même de tout avoir. Ok, déjà lui. C'est bon. Alors regardez. Si on regarde sur la carte, en fait, on voit qu'il y a clairement quelque chose. Ici. Que je peux passer là. Comment est-ce que je vais voir là? On voit clairement qu'on loupe un truc là, c'est pareil. Ou alors c'est juste en gros, c'est. Ils considéraient que c'était juste les. Les pièces. Alors attends, avant de grimper, on va aller voir de ce côté là. Histoire d'être bien. Hop. Qu'avons-nous? Dans cette grande pièce. Hello. On va taper ça comme ça. Oula, ok, super. Ouais. Il y a des flammes ici. On a ça à tirer. Nice. C'est trop bien en vrai cette zone. Par contre, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais peut-être pas du tout au bon endroit. Hello. Luigi, tu m'entends? On dirait que tu t'es enfoncé profondément à la surface. Tu as vu ce tunnel fascinant? Le pendularium a été juste au-dessus d'un site archéologique ancien. Sois prudent, qui sait ce qui peut se cacher là-dedans. J'espère que tu retrouveras les aiguilles. Ok, très bien. Alors, nous, où on veut aller, c'est. Ah, mais là, en fait, faut que je cherche les aiguilles, c'est vrai. C'est vrai, en fait. Donc, en fait, faut que je me balade partout. Ok, un petit os. Très bien. Alors, normalement, il est censé y avoir des fantômes ici, je pense. Sinon, ce sera un petit peu plus éclairé. Encore un mini-jeu. Je me tape que des mini-jeux. Ah, oh. Ah non, en fait, c'est de l'autre côté et je vois un bout. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est dans la même pièce que là où j'étais. Ah, mais c'est dans la même pièce que là où j'étais. Ok, j'ai compris. J'aime bien, franchement j'aime bien. Faire ça d'abord. Et après on sait où est l'autre. Donc là on va avoir un bout. Pas forcément. Du coup on a lui. Ah lui c'était planqué aussi, c'est étonnant ça. Récupère, récupère, récupère. Ok. Et donc là, on a lui, qu'on va choper. Et du coup, le bout, par contre. Bah, c'est bon. C'est étonnant. Attends, on sait qu'il y a un bout là-dedans. Ou alors, il a juste. Disparu. C'est. Des fois, il y a des trucs curieux. On a rien. Ok. Allons voir là. Coulée de sable. Je peux plus revenir en arrière. Oh la vache.
Ok. Ok. J'aime bien, franchement j'aime bien. Bon, du coup j'ai loupé des trucs en haut, mais c'est pas grave. Hop. J'aime vraiment énormément celui-là de donjon pour l'instant. On y va. Toujours pas de joyaux par contre. Mais d'ailleurs, attends. Oh là 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 là, où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce que c'est que cette mission? Je vais vérifier un truc qui m'a semblé bizarre. Ah non, c'est juste des cœurs, ok. Voyons voir. Hop, est-ce qu'il y a des choses là-dedans? Non, j'ai pas l'impression. Continue ici. Alors, on a vu qu'il fallait grimper, hein, mais... Mon dieu, mais par contre, on a énormément, énormément de trucs, là. On a rarement eu... Ok. Je les ai ratés. Un peu, ça va. J'en ai eu quelques-unes. En fait, je suis limite plus en recherche de thunes, là. Ok, encore une fois, faut le mettre... Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Bah. Ok. J'allais dire, il se passe quoi? Ok, c'est bon, ça grimpe. Alors là, va y en avoir d'autres, bien sûr. Ils sont nombreux. Ok, on l'a. Ok, raté. Attention. Ok, on le chope. En fait, le premier, j'aurais pu l'avoir avant, mais... Et voilà, le dernier. Je suis sûr, il y a des trucs. C'est pas terminé, en fait. Hein. Je suis sûr, il y a des trucs un petit peu à droite, à gauche, que je peux essayer de choper quand ça grimpe. Ils sont super nombreux. Ok, on récupère encore. Ok. Allez, vas-y. On y va. Ok, on les a. Oh, très très bien ça. On va les choper direct. Est-ce que ça continue de grimper? On le chope. Allez. C'est bon, est-ce qu'on a fini? Oui. C'était pas évident. Est-ce qu'il y a un truc là, d'abord? Allez voir. J'ai pas l'impression. Ok. Allons voir du coup cette porte. C'est vrai que cette mission, elle est super longue. Bon, là, je peux pas parce que... Mais non. Alors, attends. T'es en train de me dire quoi? Que j'ai fait tout ça pour rien? Ah, je l'ai vu. Ok, c'est bon. J'ai eu très très peur. Genre, on va ouvrir là. Hop, bon, ceci directement. Oh, mon dieu, mais c'est... On n'a jamais eu autant de... C'est abusé tout ce qu'on obtient. En vrai. Hop. On revient là. Et il y a des choses qu'on n'a pas vues encore. Il y a vraiment plein de choses. Je sais pas si on va faire autant de... Autant de missions que d'habitude, hein. Ok. Avance tranquillement. Est-ce qu'il y a des choses? Il y a bel et bien des choses. Ok. Non. Hop, on récupère. Oh là là, non mais on est à plus de 1000. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là du coup. Oh, pareil, ici il y a des choses. Oh là là. Bon, des cœurs à la rigueur, c'est pas très important. Donc il y avait bel et bien, on peut le voir là, là il y avait bel et bien des choses dans ces tirs enfoncements, donc en haut on en a loupé. Hein. Sûr et certain, en haut on en a loupé. Bon. Avance, on y va. J'ai l'impression qu'au loin, on arrive, mais alors est-ce qu'il va y avoir des aiguilles? Pas certain ça. Hein. J'ai l'impression que c'est plus un truc au trésor. Le tombeau. Ok, on arrive au bout hein.
Alors attention, qu'avons-nous? Est-ce que les aiguilles sont là? Ah ben voilà, au moins une en tout cas. Il va y avoir un boss. Wow! Donc c'était plus ou moins le bon chemin. J'ai dû louper des choses, il y avait des escaliers qui montaient dans lesquels je suis pas allé et tout aussi. Hein. C'était peut-être des trucs secondaires. Bon, encore une fois, on 100% pas ça, mais... Il va m'enfermer dans le tombeau. Oh là! Ok, alors... Là, on y va. On détricote. Et on est bon. Ok, on se débarrasse de tout ça. Vas-y, viens. Ok, on va venir là. Tout de suite le récupérer. J'ai pas réussi, dommage. Bon, attendez, cela dit. Et là. Nice! Je suis raté. Je me suis trompé de touche plutôt. Ok. Et donc. Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'on arrête la mission là, peut-être hein? Hello. Allo Luigi, est-ce que tu vas bien? Tu as vu des cérébrus en vue avec les aiguilles? Nous devons absolument le retrouver. Oh, télépixel tout de suite. Ok, donc c'est la fin de la première. Donc on a loupé des zones. 1200, mais c'est énorme. On a clairement loupé des zones. Mais c'est peut-être des zones dans lesquelles on repassera. Je sais pas, il y avait des escaliers. Moi je me suis dit, on va d'abord faire le bas. Et au final, c'était beaucoup plus grand que ce que je pensais parce qu'il y a eu toute cette descente. À partir du moment où on est descendu là dans le sable, à partir de là, c'était plus ou moins fini. Hein. Alors là, si on n'a pas un 3 là, bah, voilà, ouais, quand même. Là, avec tout ce qu'on a eu, 1400 de butin. Énorme, c'est énormissime, là pour le coup, on est très très bien. Alors, à présent, le retour, toujours la télépixelisation qui me fait rire. Qu'est-ce que tu vas nous dire mon pote? Est-ce que je débloque une amélioration? Non je crois pas, peut-être pas quand même. Joli travail mon garçon, tu sais je dois dire que je suis impressionné par ces fantômes capables d'imiter des momies. Envoyons vite ces imposteurs dans la chambre forte. Mais oui, non mais il y a tellement de choses différentes encore une fois, vraiment le gameplay est trop bien. Alors, 1400, ouais. Ah ouais, on est bien. C'est que 600 et on est bon. Même si le révéloscope je m'en sers pas trop. Nous savons qu'un cérébrus s'est approprié les aiguilles, ce qui est problématique. L'occultographe s'est affolé quand il a fait son apparition. Ça doit être un esprit très puissant. Mais il faut voir le bon côté des choses. Cette puissance nous permettra de le localiser. Je pense pas que ce soit le boss final de la zone. Pendant que j'analyse le pendularium, va donc faire un tour dans la chambre forte. J'essaie de garder un œil sur nos pensionnaires. Certains d'entre eux meurent d'envie de s'évader. Oui. C'est vrai qu'on va jamais dans la chambre forte. Nous, on enchaîne. Expédition souterraine, c'est fait. Alors du coup maintenant, est-ce qu'on va retourner dans les souterrains? Tournée des hostilités. Voilà. Luigi, te voilà. L'occultographe a localisé le cérébrus qui a volé les aiguilles. Sa signature paranormale est unique. Je pense qu'il s'agit d'un cérébrus antique. Peut-être que c'est le boss final. Capturer un fantôme antique ouvrirait tout un tas de nouvelles pistes de recherche. Je compte sur toi, mon garçon. En fait, le truc, c'est que... Ce cérébrus semble s'être installé dans la rotonde. Ok. Rez-de-chaussée, machin. D'accord. Ouais, non, c'est pas le boss final. Sois prudent, Luigi. Les fantômes antiques possèdent un pouvoir sans commune mesure avec les fantômes ordinaires. Plus ils sont vieux, plus ils sont malins. Ça nous fait un point commun. J'en ai marre de lui. Il bouge pas. Bref. Capture ce fantôme et récupère ses aiguilles pour moi, d'accord? Oui. Non, je pense pas que ce soit le boss final, parce que pour moi, en fait, lui, c'est celui qui garde les aiguilles. Et une fois qu'on aura les aiguilles, on pourra ouvrir la grande porte. Et cette grande porte nous dévoilera le final. C'est toujours un peu comme ça. C'est comme la clé dans l'arbre et tout. Hein. Comme la clé de l'ascenseur. À chaque fois, c'est le même principe. Donc je pense que ça va aller. Alors par contre, oui, effectivement... Je sais pas si on redescendra. Pour l'instant, je vais pas redescendre. On va rester sur ça. Trouver le cérébrus dans la rotonde. Bah ouais, alors. Je peux y rentrer, mais à mon avis. À mon avis, bon. Non. Ici. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va me dire? Bien joué Luigi, t'as réussi à atteindre la rotonde. Mais le signal du cérébrus provient de l'autre côté de la pièce. Tu vas devoir trouver le moyen de traverser ce gouffre.
Si j'étais toi, je me raserais la moustache et je prendrais l'ascenseur dans l'entrepôt. Ouais. Genre petit tacle en passant. On adore. Est-ce que là je peux pas passer? Ouais. Ouais. Escalier du désert. Alors. On est où là? Couloir du désert. On est revenu là. Ok. On est revenu là, donc là il veut aller au rez-de-chaussée. Ah mais alors attends. Ah bah c'était ça les trucs à droite en fait, j'ai rien loupé. Truc à droite me ramenait du coup. Ah ok, bah j'ai rien loupé en fait. Je n'ai absolument rien loupé, trop bien. Donc par contre, faut que je revienne où on était. Bon, je suis content. Pour le coup, ça fait plaisir. On va venir là. Alors. Repassons directement. Ok. Donc il faudrait que j'aille entrepôt. Bah, c'est ce qu'il a dit en plus. Il a dit trouver le Cerberus dans la rotonde. Ah oui mais. Oula. Hop. Tout ça, non mais tout ça on a déjà fouillé. Oula. Ok, faut que je trouve un moyen de brûler ça. Alors. Est-ce qu'il y a des trucs en flamme quelque part? Pas forcément. Une seconde. Ça, je m'en sers pas depuis le début, mais est-ce que je peux, genre... Si je fais ça. Évidemment. Ah si, ça marche. Nice. Trop bien. On récupère tout ça. Et du coup, allons voir ici peut-être. L'atelier. Ouais, et on n'a jamais été voir plus loin, je crois. Accès au beffroi. Si on a déjà été voir plus loin. Mais c'est pas par là. Si, peut-être, sinon il tiquerait pas. Voilà, il va me dire que je pars dans la bonne direction. Écoute, mon garçon, je sais que tu as peur, mais si tu vas quand même pas me faire croire que tu as oublié comment aller jusqu'à la rotonde. Ah si, il faut vraiment de l'aide. Reviens sur tes pas et prends l'ascenseur près de l'entrée principale. Ah, il peut t'aider si tu veux trop explorer. Alors oui, effectivement, il y avait l'ascenseur qu'on n'a pas utilisé cette fois, parce que du coup, j'ai d'abord réussi à enlever la toile d'araignée. Du coup, si tu vas dans la trop mauvaise direction, il t'indique. Ok. Bon. Donc, c'était bel et bien l'entrepôt, j'avais pas rêvé. Bah pour ça, il suffit juste du coup que je prenne la bobine. Hop, et par contre, alors ça, c'est normalement censé me donner de l'argent, mais là, on va pas... Ah mais non, mais y a pas besoin, en fait, attends. Je vous dis n'importe quoi. Ça, c'est pour de l'argent. En fait, sinon, j'ai juste à prendre l'ascenseur, j'ai pas besoin de faire quoi. Ok, on y va. Je viens de me faire engueuler, là. Alors bon, ok. Ok, ça va péter ça. Voilà. Il y a quoi là-dedans? Eh! Ah oui, je m'en doutais. Je m'en doutais, mais je voulais savoir s'il n'y avait pas un butin plus intéressant. Juste des pièces, bon. Ah, si, oui, non. Les jaunes, comme ça, ils donnent bien de l'argent. Oh, je viens de voir un truc, là. Ah non, c'est juste un truc vert. Ok. Est-ce qu'un truc vert peut contenir un joyau? Ou c'est juste des billets? Ah ah! Grande question. On va voir. Alors, ici. Ouais, foyer de l'horloge. On a un peu les trucs. Ok, un petit os. On prend. Parce qu'ici, c'est rouge, hein, les joyaux dans celui-ci. Mais alors? Ah ah! Oui, alors attends deux secondes. Je viens de comprendre, mais... Oh, il dort avec une... Ok, alors attends. Parce que là, il y a écrit 9h aussi, ouais. Et on peut voir que là, il est... En fait, il faut que je mette 9h pour que son lit sonne, son réveil sonne.
Et bon. Et là, du coup. Quoi? Ah, voilà. J'allais dire quand même. Donne-moi le joyau. Hop là, parfait. J'ai cru que je l'avais loupé. Le petit joyau. Alors, à mon avis, pour le coup, dans le truc souterrain, j'en ai loupé beaucoup. Un petit peu. Mais c'est pas grave. Et du coup, ici. Ah. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ok, concentration. Ah, le retour. En plus, il est là. Miaou. Il me fume. On dirait une baguette, en fait. J'arrive, 2 secondes. Hello. Nous approchons du but, Luigi. Il va falloir que tu atteignes de l'autre côté de cette pièce. Mais bien sûr, tu peux utiliser les poutres. Bah oui, j'avais compris. Ne regarde pas en bas. Le truc, c'est que... Utiliser les poutres, d'accord, mais... Oui, j'avoue que j'ai pas utilisé R. Oh là là, mais... Bon, bah, ils ont changé la mécanique. Donc forcément... En fait, sur DS, il fallait braquer d'un coup sec. Donc forcément... Oh là 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 là, bon bah... Cette séquence désastreuse vous a été offerte. Je pense que je vous l'aurais ellipsé un long moment. Je pense que je vous l'aurais ellipsé un long moment, cette séquence. Oh là là, quel enfer. Bah, ah non. Par contre, alors du coup j'ai perdu de la vie et tout, oh là là. Mais... Cœur, ça fait ça par contre. Donc là. Voilà. Ok. Ah, c'était pas par là, super. Ah si, peut-être. Si, c'est par là. Là, on peut ouvrir ça. Ok. Petit joyau. Ok, ça c'est bon, c'est fait. C'est parfait. On récupère. Ensuite, ici, on repart. Du coup, bon, c'était pour un joyau, mais c'est déjà... Ça de prix, par contre, j'ai tellement plus dit. Ok. Concentration. Concentration, ok. Et donc là, bah, pas d'autre choix que d'aller là. Oh là là, il y a un bout. Ah, mais on est loin, loin, loin d'avoir fini la zone, en fait. Ok, là, une clé. Il va falloir qu'on lui récupère la clé. Ok. Ok, ok. Alors. Ça me dit un truc, ça. Oh la vache, ça me parle. Ok, bon, du coup, je suis obligé de passer là, je crois, pour l'instant, parce qu'à droite, c'est fermé. Finition. Oh la vache. Ouais. Ah. Je crois que je peux utiliser ça pour avancer. Est-ce que tu peux... Voilà. On a ça là, mais je peux rien faire. On a les billets là-haut. Attendez, parce que... Ah! Je peux rien faire pour lui là? Comment je l'active? Comment est-ce que... Ah là! Je peux pas accrocher ça? Vu qu'on voit qu'il y a un drap? Non, je peux pas. Donc en fait là il faudrait prendre ça.
Peut-être le mettre dans la machine. Parce que je vois bien hein, le casque qui me suit hein, du visage. Mais... Mais je peux rien faire. Ah... Ok... Ah ouais, faut le... Faut le voir quand même. Et là... Non mais c'est encore un mini-jeu je crois. Ouais c'est un mini-jeu. Ok. Mais ça va pas forcément beaucoup m'aider je crois. On va voir. Ok on est bon. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Et du coup on peut récupérer tout ceci. C'est bon. Mais alors, est-ce que c'était ça qu'il fallait faire? Pour ici, ok. Mais pour ça, est-ce qu'il faut pas juste tirer sur la faille? Ah, c'était juste ça. Mais d'habitude, ils viennent m'attaquer d'eux-mêmes. En fait. Généralement, ils viennent d'eux-mêmes. Ok, on y va. J'ai pas réussi. Ok, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ok. C'est vrai que j'arrive pas certains à les choper. Ok. Ouh. Encore une salle un peu galère. Et donc là ça va. Et ça je vais devoir passer par là. Ouais c'est ça. On est loin 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 d'avoir d'avoir terminé cet endroit hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va un petit peu agir, pas des masses. On peut venir tirer ça. Ah! Oula, ils m'ont fait peur. Hop, et là, ici. On y va. Vas-y. On va prendre ici. Allez, viens, viens, viens. C'est bon. Ouh. C'est fait. Ici. Si on vient là, on peut ouvrir ce coffre qui me donne pas mal d'argent encore une fois. Beaucoup d'argent encore une fois dans ce... depuis qu'on est dans cette... Et donc là, il n'y a plus qu'à... Hop. Ouvrir ici. Pour ressortir. Ok, je l'ai. La giga explose. Ok. Donc là, je vais revenir ici. Ouais, il faut vraiment que j'aille chercher la clé pour ensuite aller l'affronter. Alors. Ok. Alors, attendez. J'essaie de faire diminuer le truc. J'ai un petit peu diminué. Ah, il y a la même chose de ce côté. Ouais. Bah alors. Non, donc non, de ce côté-là. On l'arrête. Et de ce côté-là, ça veut pas, on dirait. Mais oui, c'est normal, parce qu'il n'y a pas la vanne. Ok, c'est normal, oui. Peut-être juste la reveal, ouais, voilà, tout simplement. En fait, j'étais trop concentré à faire descendre l'aiguille, j'ai pas vu qu'il n'y avait pas la vanne. Ok, voilà, on fait ça.
Et là, ça va arrêter définitivement. Et alors ? Pourquoi il y en a encore ? Quoi ? Ah, parce qu'il fallait que j'aspire l'air. Ok. Ok, ils sont là. On les récupère. Oh le bout. Ça faisait longtemps. Je m'appelle Barbouriz, mais les gens osent dire que je n'existe pas, tu te rends compte? On est parti. Ils me fument à chaque fois les bouts. Ok, est-ce qu'il va se barrer? Hop, on y va. On tire. Et on est reparti une dernière fois. Voilà. Je récupère les pièces pour l'instant. Et du coup, normalement cette fois-ci, je vais pouvoir le choper. Ah bah non, même pas. Et voilà, ça rentre, parfait. Ok. I do it. Qu'est-ce qu'il va me dire? Que j'ai eu un bout? Hello. Fantastique, je me réjouis que tu sois parvenu à capturer ce petit voyou. Les boss sont difficiles à voir, tant ils sont passés maîtres dans l'art du camouflage. Ils ne deviennent visibles que si leur cachette est découverte. Les boucs se ressemblent, mais chacun d'eux a sa personnalité propre. Tu devrais essayer de tous les capturer. Oui, si on les laisse se regrouper, ils risquent de causer le problème. Ok. Très bien. Toujours est-il que voilà, une bonne chose de faite. Et donc on peut ressortir par là, et là normalement... Voilà. On va avoir... Ceci... Et donc là, la clé. En passant par là. Voilà. Et on va pouvoir donc aller au boss directement. Non, je viens de voir ça. Donne-moi de l'argent quand même, attendez. J'ai raté. Terrible, j'ai raté deux grandes araignées. C'est pas grave. C'est pas cette porte, c'est celle-ci. Et donc là, je devrais arriver en bas. Voilà, on y arrive. On y arrive, on y arrive, on y arrive. On vient là. Le voilà. Alors, trouvez le service dans la rotonde, ouais, ok. Ok, go. Ok, alors, il est en train de m'attaquer en même temps. Ok, raté, attention à ça. Ouh, je suis au milieu. Attention à ce qu'il envoie. Attention. On y va. On capture bien. On récupère ça également. Allez, 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 allez. Voilà. On est pas mal, on avance. Attention, on va sortir de là. On essaie de se planquer. Est-ce qu'il peut envoyer si je suis là? Ah, il peut quand même envoyer, ok. Attention à ma vie quand même. Oh non. Ouh, c'est chaud. Ok. Go. On essaie d'avoir tout le monde. Go maintenant. C'est bon. Yes. Il reste lui. Histoire qu'on soit bien. C'est bon. Ouh. Et donc on peut venir...
Voilà, récupérer la première. Parfait. Tu quelle galère. Super Luigi, je savais que tu avais l'étoffe d'un héros. Tu as récupéré les aiguilles et capturé ce puissant Cerebrus, beau travail. Je te ramène tout de suite. Il ne faudrait pas que cet ectoplasme s'échappe de ton ectoblast 5000. Bon, oh, attention au départ. Ok. Bien. Bon, alors je pense que cet épisode va être plus court. Parce que moi, au moment où j'enregistre, je dois bientôt partir justement à la convention dont je vous ai parlé au début du stream. Et en fait, de mon côté, ça fait déjà une heure que j'enregistre à cause de du temps. Bah, vous le voyez, de toute façon, le temps que je passe ici. À cause du temps passé sur l'épreuve. C'est pas grave, je pense, c'est pas forcément gênant. On a déjà bien avancé quand même. On aura fait deux niveaux, mais des niveaux qui sont assez longs. Donc bah, forcément ça se complexifie, il nous restera donc normalement trois niveaux je pense pour le boss, donc ça se récupérera. Par contre on devrait avoir une amélioration de l'ectoblast, je pense, en théorie. Et ça c'est très cool. On va vérifier. Ouais dodo. Tcha-tcha-tcha-tcha. Oh, ouais dodo. Il me fait rire à chaque fois. Ce Cerebrus avait beau maîtriser la télékinésie, il n'avait aucune chance face à l'ectoblast 5000. Eh oui. Bien sûr, il n'avait aucune chance face à un adversaire aussi courageux et déterminé que toi. Oui. J'allais dire. Alors. Attention. 900. Du coup, qu'est-ce qu'on débloque là cette fois? Encore plus d'aspiration. Yes! Oh là, ça va faire mal ça. Quand tu aspires à un fantôme, tu pourras charger la jauge d'aspira au maximum avant d'appuyer sur A. Donc là, au maximum, donc 30 d'un coup. C'est énorme. C'est énorme, c'est très très bien. Bien, voyons ces aiguilles. Oui. Nom d'un globule, tu m'as ramené que l'aiguille des minutes. Où est l'aiguille des heures? Bah, ce sera la prochaine. Évidemment. Ce sera à droite. Enfin, c'était déjà pas si mal. Je me demande vraiment où peut être l'aiguille qui nous manque. Je vais peut-être devoir mettre au point un plan pour retrouver l'aiguille des heures. En attendant, tu vas en profiter pour aller prendre une douche. Tout le monde t'en sera très reconnaissant, crois-moi. Yes, super. Super. Bon, et ben merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce 5e épisode de Luigi's Mansion 2 HD. J'espère que vous aurez kiffé, que vous aurez passé un bon moment. En vrai, on a quand même fait... Ouais, bah en fait... Bah non, en fait, on est très bien. Non? Attendez, qu'est-ce que je raconte? Il nous restera le 4, le 5 et le boss. Bah ouais, ça se fera la prochaine fois, je pense, sans problème. Merci à tous, donc, on se donne rendez-vous demain pour la suite, l'épisode 6 de ce Let's Play sur Luigi's Mansion 2 HD. J'aurai à ce moment-là tous vos retours, donc n'hésitez pas à mitrailler eh bien, les astuces, les commentaires, etc. dans les commentaires de cette vidéo aussi. On se retrouve demain, c'était Sif, à bientôt.